mamie et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachipacha. Il trouve des idées en dormant par hasard, du bout de sa trousse noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, toutou plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord jusqu'en il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, toutou plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Il fait un petit peu froid ce matin. Oh, oh là là. Oh, oh, ouf. Eh ben ça alors, toute la maison est recouverte de neige. Hé, hey, Cubitus, réveille-toi, on est sous la neige. La neige? T'as parlé de neige? Oh, on peut sortir par l'étage supérieur sans problème. Ouais. Ah. Ah. On a rarement l'occasion d'avoir autant de neige. Oh, 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 bah, au secours, au secours, au secours. Ah, je suppose que je suis au niveau du sol. Enfin, j'espère. Il faut que je trouve un moyen de sortir. Il faut que je sorte d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma niche, elle a l'air toute plate. Dis-moi. Quoi? C'est Néchal? Mais de quel droit osez-vous entrer chez moi sans mon autorisation? Ah, ben ça y est, je suis sauvé. J'ai jamais vu autant de neige. Au fait, est-ce que vous savez comment nous pouvons sortir d'ici? Oh, je suis bien arrivé jusqu'à vous, moi. Alors, il suffit de faire le chemin en sens inverse. Sénéchal, nous allons donc jouer les taupes. Et creuser un passage pour ressortir. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que toute cette neige cette année? Et où je vais, là? Quelles que soient les circonstances, avant toute chose, il ne faut pas perdre son sang-froid. Un peu plus sur la droite, Cubitus. En arrière. Non, à gauche, maintenant. Par ici, maintenant, tout droit. Oh, Cubitus, attention. Oh. Il faut absolument que je fasse quelque chose, sinon nous courons à la catastrophe. La ville est actuellement entièrement recouverte de neige. Les rues autour de la mairie sont dégagées. Mais les autres bâtiments sont couverts de neige. La vie est particulièrement difficile dans certains quartiers. Et je vous demande pardon, mais une de nos caméras semble avoir des problèmes. Je crois qu'il faut... Je sais, mademoiselle Béatrice. On y va. Ah, c'est la maison de Chérie. Chérie! Oui, Cubitus, oh, c'est merveilleux, tu as creusé un tunnel. Oh, Chérie, venez donc jeter un coup d'œil. Oh, Cubitus, c'est merveilleux ce que tu as fait. Alors, la maison de Sémaphore et celle de mademoiselle Béatrice se trouvent par là. Et cette petite galerie par ici, ça conduit à ma maison. C'est beau, hein? Oh, oui,
Oui, tu as fait un travail formidable et je crois que je n'ai plus à me faire de soucis. Oh, dégagez, dégagez, c'est un bonhomme de neige. Ah bon, un bonhomme de neige? Non, attention! Ah, oh, elle est coincée, ma boule. Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? T'as bouché une des entrées du tunnel. Et ce tunnel est réservé à notre usage personnel. Il faut faire ton bonhomme de neige, mais alors dehors. Dehors? Mais comment je vais faire pour aller dehors? Ah oui, eh bien c'est exactement ça le problème. Oui, tu sais, magnifique. Ça fait une partie de grand fantastique. La neige peut nous être très utile. Je te signale qu'il faut des feux de signalisation sur les routes. Bon, on s'en moque de ça, oui. Je crois qu'il faut travailler en équipe pour résoudre ce genre de problème au mieux des intérêts de chacun. Alors écoutez-moi, on se met au travail tout de suite et je compte sur vous tous, hein? Ça me paraît très bien, nous pouvons peut-être faire une petite pause. Mais comment est-ce que je vais pouvoir accéder chez moi? C'est la même chose pour moi, et puis moi alors? Oh, moi je démissionne. Notre coopération ne se fait pas sans difficulté. J'ai les os qui commencent à se congeler. Bon, il commence à faire un petit peu plus chaud. Tiens, maintenant, il pleut. Ah, ouais, c'est malin. Oh, non, le feu. La niche de Cubitus est en feu. Oh, non, c'est pas possible. Au secours. Au secours, au secours. Ah, qu'est-ce qui se passe, Sénéchal? Mais Cubitus, il y a le feu chez vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, vite, de l'eau. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par ici. Par ici! Au secours, me laissez pas tout seul, me laissez pas tout seul! Oh, ça c'est un con, j'ai failli mourir noyé dans la neige. Oh, j'ai bien cru que j'allais mourir. On est quand même mieux dehors. Alors, il faut absolument faire quelque chose pour résoudre ce problème de neige. Alors. Il n'est pas évident qu'enlever la neige soit la bonne solution. Nous serons tous trempés si la neige se met à fondre. Dommage que la neige ne soit pas chaude. Elle est beaucoup trop froide. De la neige chaude? Mais oui, ça n'est pas du tout idiot ce qu'il vient de dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une idée qui pourrait peut-être me rapporter le prix Nobel. Je la présenterai à Stockholm la semaine prochaine. Parfait, on peut brancher. Ça y est, la neige entre à l'intérieur. Ça va. Oh, ça, c'est une invention fantastique. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet appareil a un chauffage à haute tension à l'intérieur. Donc, la neige fond à peu près instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on met ça sur Mars, la neige fondue est réduite à l'état de vapeur et rejetée dans l'atmosphère. Autrement dit, la neige fondue est devenue un air tiède. Est-ce que vous comprenez? Quel génie! Vous êtes le plus grand inventeur du monde. J'ai pas tout compris, mais je suis très content du moment que la neige disparaît. Continue comme ça, Cubitus! À tes ordres! On pourrait se reposer un petit peu. Mais la neige, c'est magnifique, mais trop, c'est trop. C'est quand même dommage qu'on soit obligé de la faire disparaître. Oh, t'inquiète pas. Moi, je reviens tout de suite. Attends-moi. J'ai des bonhommes de neige par là. Oh, ça alors.
C'est ma force, ça y est, j'ai presque fini. Cubitus, tu as fait du très bon travail. Je n'aurais certainement pas pu réussir si tu ne m'avais pas donné un bon petit coup de patte. Et moi, je dois te dire que j'aime bien ton invention pour une fois. Ça me fait plaisir que tu comprennes ça. Bon, et bien maintenant, je vais lâcher la vapeur qui se trouve à l'intérieur. Alors, bon. Eh ben, faut qu'il retourne à son tableau noir. J'aurais pas dû le féliciter, c'est ma mort. Oh, il recommence à neiger. Super, j'ai refait un bonhomme de neige. Et voici notre bulletin météo. Nous pouvons nous attendre à un beau soleil demain sur la grande partie du pays. La neige devrait fondre rapidement. Pas eu autant de neige depuis une dizaine d'années. Le Festival de la Neige, un concours des plus belles statues. Le gagnant aura droit à 10 kilos de steak, premier choix. Mais j'en connais un qui a pas mangé de viande depuis longtemps, moi. Ne recommence pas, tu n'es quand même pas à plaindre, hein, crois-moi. Les concurrents doivent construire quelque chose avec de la neige, une statue par exemple, et la viande ira au premier prix. Ah, bah on devrait participer au concours. Je peux faire un bonhomme de neige, moi. Un simple bonhomme de neige ne te rapportera pas le premier prix. Il faut faire quelque chose de plus spectaculaire, quelque chose qui ait une certaine valeur artistique. Eh ben, tu pourrais pas me donner une idée. Je ne sais pas, la tour de Pise ou une pyramide d'Égypte, par exemple. Bravo, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Je vais voir ce que je pourrais faire moi-même. Ce serait une bonne idée si je pouvais fabriquer quelque chose qui puisse aider Cubitus. C'est ma force, tu crois que tu peux m'aider? Je saurais pas faire une œuvre d'art. C'est trop difficile pour moi. Oh, Cubitus! Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Si tu as cet appareil, tu seras capable de faire ce que tu veux sans l'aide de personne. Bravo, c'est ma force. Je crois que cette fois, tu t'es surpassé. Si c'est un compliment, merci. Oh, toute la ville se passionne pour le concours, regarde. Monsieur Sémaphore, on peut vraiment faire une statue avec cet engin? Mais oui, absolument. C'est un appareil qui est capable de congeler l'humidité de l'air. Et après, tu auras autant de neige que tu voudras, sans aucun problème. On peut faire un essai tout de suite, si tu veux. Il suffit de presser la détente, c'est ça? Cubitus, qui t'a dit de me viser? Oh, ça alors, c'est absolument incroyable. Et maintenant, on va la faire fondre. Cet appareil était conçu pour émettre un rayon calorifique comme ceci, regardez. Et alors comme ça, on peut faire fondre la neige en lui donnant la forme que l'on veut. Oh! Alors vous pouvez faire une statue qui sera exactement comme moi? Alors ça n'est pas un problème. Donne-moi un tout petit peu de neige, tu veux bien, Cubitus, de ma neige? Ben bien sûr, voilà. Attention, on y va. Et maintenant, la statue elle-même ne bouge pas, Cubitus. Qu'est-ce que tu essayes de faire de beau? Oh, c'est toi. Tu vas voir, monsieur Sémaphore fait une statue qui me ressemble. Oh, c'est gentil d'être venu nous voir, mademoiselle chérie. Je suis certain que vous allez être ravis parce que vous allez voir. Mais tant mieux, Sémaphore. Il faut que ce soit parfait. Mais bien sûr. Attention, et voilà le travail. Oh, mais c'est chéri, c'est pas moi ça. Oh oui, c'est remarquablement réussi. Oh non, écoutez. Vous n'avez pas respecté votre parole, monsieur Sémaphore. Attends. Vous m'aviez mis dans le premier statue. Oh, il est tout à fait super, cette statue. Vous allez certainement gagner le concours cette année. Je crois que c'est encore trop tôt pour le dire. Oh, vous vouliez être gentil en férule qui me ressemble.
Je regrette mademoiselle Béatrice, j'ai passé beaucoup de temps dans la neige, alors je sens que j'ai attrapé froid. Oh, vous n'allez quand même pas me refuser ça! Attendez, je vais vous l'aider. C'est des charges, je crois que tu ne peux pas mieux tomber. Je te laisse avec Cubitus, faites une belle statue pour notre ami. Attendez, monsieur, c'est ma faute, attendez! Oh, ça, c'est pas très gentil, hein. Je compte sur vous pour faire quelque chose qui me ressemble, mais en plus mince. Mais je sais pas trop ce que je dois faire, moi. Pas de problème, Cubitus, pas de problème, je suis là, je m'occupe de tout. Donnez-moi un petit peu de lait, monsieur Cubitus. Non, bah, je crois que j'ai pas le choix. Et si je me tiens comme ça, ça va? Est-ce que je suis vraiment à mon avantage? Oh, bon, on en est. Qu'est-ce que tu dis, toi? De rien, vous êtes absolument parfaite. Ben, on peut commencer maintenant. Attendez. Ouais. Et voilà, c'est fini. Oh, bon, déjà? Tu as fait un travail formidable, c'est vraiment copie conforme. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas du tout moi. Bah, je trouve que les jambes sont trop minces. Tais-toi, toi, et donne-moi cet appareil tout de suite. Si mes jambes sont larges, celles de chérie devraient plutôt être comme ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, donne-moi cet appareil, s'il te plaît, c'est des châles. Ça lui ressemble assez, mais le nez est un peu gros sur la statue. Oh, mais c'est ridicule, pourquoi est-ce que vous faites ça? Elle pourrait être défournée. C'est impardonnable. Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Oh, elles deviennent insupportables. Je ne comprendrai jamais les femmes. Ça commence à devenir lassant, ces statues, hein. J'aurais bien envie de faire autre chose, moi. Ah oui, qu'est-ce que vous comptez faire cette fois? Bah, Sénéchal, heureusement que vous êtes là. Vous allez pouvoir m'aider. Voilà, je veux faire la tour de Pise. Je n'aime pas faire quelque chose qui me fatigue. Bah, nous partagerons moitié-moitié si nous gagnons le concours, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, si nous partageons la viande, alors là, je suis d'accord. Ça, c'est une reproduction de la tour de Pise, la tour pensée. Mais ça me paraît un petit peu grand, même pour cet appareil. On va voir ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais dit qu'on allait faire un pont. Ah oui, pardon. Oh. Allez, on recommence. Ça va être parfait cette fois. Oh, c'est absolument étonnant. Mais à mon avis, la tour ne penche peut-être pas assez. Il faut retirer un peu de neige d'en bas. Vous allez voir, ça va la faire pencher. Ah, on t'entend. C'est l'échelle, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que la tour, elle tremble. Ne t'inquiète pas, tu dois ressentir la même impression que Galilée quand il a fait son expérience sur la tour avec le pendule. Est-ce que vous pensez que c'est assez? C'est vraiment pas de chance. Ça n'est pas ma faute, hein. Je crois qu'on peut faire une croix sur le premier prix. Non, on ne va pas abandonner maintenant. On va essayer de construire une pyramide. Quoi? Vous voulez continuer? Mais pas de problème, je vais être à la hauteur, moi. Ah, réfléchissons. À l'intérieur de la pyramide, il y a un labyrinthe et le tombeau du pharaon est situé à l'autre extrémité. Il faut faire quelque chose de spectaculaire pour gagner le premier prix et je crois qu'avec cette idée, on est absolument certain de l'emporter. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Enfin, tu le vois bien ce que nous faisons, c'est une pyramide. Il y a un labyrinthe à l'intérieur qui mène au tombeau du pharaon. À mon avis, ce qui serait intéressant, ça serait que quelqu'un se mette dans le tombeau et joue les Toutankhamon. Ça, oui, effectivement, ça, c'est une très bonne idée. Qui est-ce qui pourrait jouer ce rôle? Cubitus! Oh, Cubitus! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller chercher la tenue de Toutankhamon qui est dans l'entrepôt? La tenue de Toutankhamon, mais pour quoi faire? Oh, ça me paraît simple. Tu la mets et tu te glisses dans le tombeau du pharaon. Une pyramide ne peut pas être parfaite s'il n'y a pas de pharaon à l'intérieur. C'est sa raison d'être. Et c'est comme ça que nous allons gagner la viande, tu le crois? Sans aucun doute, oui. Il ne va peut-être pas faire très chaud, alors on compte sur toi. Bon, entendu, je vais me préparer tout de suite. Il est difficile de
désigné un vainqueur, tout le monde se surpassait. Oui, c'est vrai, monsieur le maire. Oh, mais c'est quoi ça? C'est vers la maison de Sébaphore. Allons voir ça de près. Je crois que je n'ai jamais vu quelque chose aussi prodigieux. Il est évident que cette œuvre mérite le premier prix, monsieur le maire. Soyez les bienvenus. Que pensez-vous de notre pyramide? Vous avez fait du beau travail, c'est tout à fait magnifique. Est-ce que nous pourrons avoir la viande? Oh, mais probablement, je crois que la chance devrait vous sourire demain. N'oubliez pas que j'ai droit à une part, vous n'auriez pas réussi sans moi. Mais bien sûr, Sénéchal. Oh, faut être très résistant pour monter la garde pendant la nuit. Il fait un froid de loup. Comment peut-on dormir dans un endroit pareil? Oh, on n'est pas en Égypte ici. Je pourrais au moins avoir un poil. Bon, ben, je vais quand même essayer de faire une petite sieste. Oh, ça fait du bien. Tu auras droit à une part du premier prix, toi aussi. Ah, oh, merci, Sénéchal. J'oublierai jamais, tu sais. La pyramide a disparu. Oh, vraiment? Venez vite, monsieur Sémaphore, la pyramide a disparu. Quoi? Mais où est-ce qu'il est, Cubitus? Je lui ai dit de monter la gare toute la nuit. Cubitus! Cubitus! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est pas vrai, on peut dire adieu à notre premier prix. Ben, c'est terminé pour nous, maintenant c'est fini. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Où sont ces steaks qui embaument? Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pato comme un pachipacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa trousse noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus.